Être indépendant, c'est un état d'esprit et puis c'est une communauté d'intérêts entre tous ces acteurs indépendants qui créent une dépendance commune sur le fait qu'ils doivent penser de façon différente, être uniquement dédiés à ce qu'ils ont décidé d'être, c'est-à-dire des acteurs de performance, et sans aucune autre contrainte que de bâtir cette performance. Donc l'indépendance, c'est un état d'esprit à partager, à cultiver, à dévorer, enfin, c'est la vie, quoi. C'est nous.